Donnez-nous votre prénom, madame. Maya. Maya. Et monsieur? Marco. Marco. Et vers la pêche. Vers. Oui, il fait froid, si, il avait peur. Deux cafés. On a deux verres squat là avec Lucas et Tanguy. Oui, ils sont venus. Ils sont partis, ils ont trouvé les squats là pour ce soir. Vous avez trouvé où? Ils avaient trouvé un petit truc. C'est bon quoi. Ouais. Vous allez bien vous, madame, ça va? Comment c'est ton prénom? Bébert. Bébert, c'est joli. Je peux te filmer, hein? Oui. Toi aussi? Tu peux te filmer? Oui, vous êtes trop beau. Dimitri qui t'attend là-bas, tu vas voir. C'est vrai? Prends une touille. Bah, il va arriver là. Il doit être déjà à place pied. Il doit être à place pied déjà. Ah, dis-moi quelque chose ces derniers jours. Bah, merci pour tout. Hein, vous êtes très très gentil tout l'hiver. Merci. Merci Arnaud. Toi aussi, tu me dis quelque chose, c'est les derniers jours. Ben, c'est gentil pour ce que vous faites pour les gens dans la rue. Merci beaucoup. Ah, ben, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est dommage que je suis pas venu avant, mais bon, merci quand même pour ce que vous faites pour nous, c'est très gentil, merci. Toi aussi, tu me dis un petit mot pour le dernier jour. Ben, écoutez, merci bien pour tout. C'est gentil ce que vous faites. Et merci bien. Tout le monde, gardez la pêche. La forme et la banane. Néning. Néning. Néning, la forme et la banane. Et après on met la patate. On m'a là, écoute, là maintenant on avait des pantalons là-bas. Des si pantalons. Tu vas à la gare, tu lui dis, tu vas vite maintenant à la gare. Quoi? Et tu dis, je suis envoyée par Maya. Quoi? La dame, elle porte des lunettes, elle s'appelle Elvira. Oh. Elvira. Tu dis, Maya, elle m'a envoyée pour venir chercher les vêtements. Tu vas maintenant, avant qu'ils s'envolent. Ok, d'accord. Voilà. Et c'est où à la gare? Là, là, sur la place. Quoi. Les bords, ils sont sur la place. Ils ont jusqu'à 10h, ils restent. De quoi? Tiens, moi, c'est un café. Je bois du thé, moi, pas du café. C'est-à-dire direct. Je bois du thé, moi, pas du café. Bon, il dit faire le coup. Ah, c'est sympa. Elle s'appelle Elvira et moi Maya. Elvira, Maya. Voilà, tu vas, tu dis, je suis envoyée par Maya. Et Elvira. Je viens chercher le pantalon. Dis-le toi aussi, parce que comme tu te filmes pas, mais on entend pas. Merci pour l'aide tout l'hiver, c'est vraiment très gentil. On espère que l'hiver prochain, on aura plus de c'est nos dames. Si on retourne dans la galère, on espère. Bah oui, on y va. Mais moi, je reviendrai seule. Avec mon vélo. Le relais du cœur, là, je sais plus comment ça s'appelle. Tu n'es où, comment toi? Comment s'appelle, Marc? Ceux qui ont ramassé le linge, là. Ah. J'ai grandi aux Pays-Bas, je t'ai adopté pendant Ils peuvent chercher le linge. Ah bon? Elle a la rocade. Et tu es dans la rue depuis combien de temps? Ouais, mais ils sont où? Moi, 2 ans et demi maintenant, et quand j'étais jeune, j'ai ils sont stockés là? 19 et 25 ans, j'étais un peu. Moi, de bohème, donc je connais la galère un peu, quoi. Mais j'étais dans la rue, mais je suis passé, moi, hier, en camion. Écoute, passe-moi dans la rue. Tu vois? Mercredi, j'essaie de récupérer chez mon jeune, il en a les armoires qui vont tomber. Tu veux pas être fumé, c'est pour ça? Tu veux pas être fumé, hein? Non, non, j'aime pas être fumé, je sais pas, je. Mais on entend. C'est ce que tu dis. Viens dans les baskets. En fait, je vais échanger avec les autres. Parce que c'est celui-là qui me dit vanne. Ouais, parce qu'ils font un peu mal aux pieds, les autres. Parce que des trucs là, ils ont le. La langette là, ça m'a fait super mal dans la. Là aux phalanges, ouais, la première phalange. Là c'est nickel, ouais. Bon, merci beaucoup, Max. Bah, je vais pas dire que je m'ennuie avec vous. Non, 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 c'est bon, non, mais il y a du monde à voir. Hein.
Quoique, je sais moins. Lucas va revenir. Oui, ils vont revenir dans l'après-midi. Ils ont allé amener tout au squat qu'on a ouvert. Oui. Et après, ils vont revenir. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Oui, où ça? Où est-ce qu'il m'a dit? Pas loin de chez moi. Ah oui, pas loin. On te le montrera où c'est. Tu seras avec eux? Oui, oui. D'accord. C'est où exactement? Dis-moi, parce que je... Je connais pas le nom de la rue parce que je suis allé hier, mais c'est un petit immeuble, c'est un immeuble résidentiel, c'est pas loin de la rue de Boulevard-Saint-Ruf. Oui. Après le pont? Je vois souvent, j'y vais là-bas pour donner à manger d'oiseaux, tu vois. Ouais. J'ai leur téléphone, je l'appellerai. C'est mieux là-bas. C'est de mettre l'électricité et l'eau quand on peut. Maya, génial. On commence à... Allez, on y va. Ouais. Allez, merci bien. Merci Max. On se revoit bientôt. Bon courage à vous aussi. Merci pour ta protection. Merci pour tout. Bon café, bonne bière. Pour... Merci. Courage madame. Hein, merci. Un bon dimanche. Merci beaucoup. Merci Alain, bon dimanche. Au revoir. A plus. Merci. Ça va bien? Moyen. Mmh. Ouais, c'est comme... Ouais, ça serait bien. C'est quoi si c'est pour nous d'avancer, c'est galérer au matin? Ouais, je comprends. Ça sert à rien. Ouais, c'est très bien ça. T'as arrêté de blader un petit peu, tu vois, au milieu de... Ouais. Merci à toi quand même, comme tu as avec toi. Hein? Bah là, nous, tu as vu que je traite, je suis pas un wagon, il y a tout que... Mais souvent, quoi. Alors regarde, bon kawa, bonne matinée. Ouais. Regarde, il y a un truc qu'on va laisser que ça, tout ça. Et t'as vu dans le sac qu'il y a dehors des trucs un peu sucrés. Hein? Je suis désolé, on est sur le dernier maraude. Peut-être qu'on continue. Peut-être qu'on va continuer dimanche, parce qu'il fait froid. Et on va préparer un pique-nique. Ok. Dimanche prochain? Dimanche prochain, on fait encore le café. Pire que l'hiver. Et on va préparer un repas chaud un dimanche à midi, place Pi, on va mettre des tables et on fera un repas chaud. Dimanche prochain. On passera le mot pour qu'ils viennent. Dimanche prochain? Pas ce dimanche, l'autre. Comme ça, il fera un peu plus beau, voilà. Place Pi, un peu. J'espère qu'on n'est pas continué. Bon dimanche, au revoir. Tu nous dis au cas où. Mettons des tables en demandant à la préfecture. Ouais, parce qu'une fois, il y a des Algériens qui sont venus, ils nous ont fait des couscous. Oui. Et les policiers, comme il y en a qui arrivaient déchirés, ils ont foutu le bordel, donc ils ont dit vous démerdez vos tables, les couscous et tout. Eh oui, voilà. Tout ça pour un mec qui était trop arrêté au Népal. Non, nous, dimanche prochain, on aura les noms déjà. C'est-à-dire ceux qui vont participer, qui veulent venir participer, on le fera. Quand il y a un arrêté ou comme ça, on peut se négocier la... Et après, on fait ça à prime, quoi. On va faire ça, le bordel, quoi, je veux dire. Voilà, c'est juste pour dire qu'on passe un moment ensemble. Est-ce qu'il y en a qui vont vouloir se déplacer? Parce que si on fait à la gare, est-ce qu'ils vont vouloir venir? La gare ici, c'est pas très loin non plus. Oui, voilà, c'est ça. C'est bon dire qu'on est ensemble, quoi. Moi, je voudrais faire la Barcelasse. Mais il me dit, est-ce que... Voilà, ça fait une fois qu'on va circuler, c'est ça? Ouais, il faut descendre le passage. Regardez, de la vie, je dois avoir un peu aussi. C'est la marotte, c'est celui qui a été dimanche. C'est la marotte, rien à dire. C'est la marotte. Un, deux. Oh, j'appelle la police. On est déclaré. Ouais, mon ami, tu peux sortir la télescopique et cacher dans ta poubelle. Prends des photos. En tout cas, merci à vous. Protection, prenez soin quand même. Ah oui, bien sûr. Vous allez pour. Un petit mot encore. Merci à vous. Mon amour, reviens vite me voir. Un petit mot. Oui. Eh bien, heureusement que vous êtes là parce que sans vous, l'État n'est pas capable de le faire. Merci à vous. Voilà la vérité. Et pour tout le reste, les vaccins et tout, c'est pareil. Voilà la vérité. On a dit on demande 1 € de participation. On achète du jambon, du saucisson. Demain, ma serviette. Voilà. Tu sais, Dimitri, elle était jalouse parce que tu avais une copine la dernière fois. N'importe quoi, vas-y, elle enregistre n'importe quoi. Enregistre n'importe quoi comme bêtise. C'est pas et après, grave. Dans les c'est réseaux mon, sociaux, c'est notre amour secret, les gens vont croire, mon fils, quand il voit ça, il. Putain, c'est qui le grand à côté de toi? Elle raconte des bêtises. Mon fils, il lit,
hein, faut pas croire, mon fils il dit, mes enfants ils disent. Hein. Oh la jalousie. Faut pas que ça soit offensif. Oh, il y en a plein. Tout ce qu'ils disent, j'aime le coluche, au final, ce sont des enfoirés. Moi, je suis pas jalouse, hein. Je suis avec toi aussi. C'est vrai. Mon mari. Il est grand, grand, alors. Bon, ben, on vous laisse. Bon dimanche. Merci. À bientôt. À bientôt. Ah, je regardais s'il y avait ma photo. On voit pas, là. Non, je suis en train de te filmer. Ah merde, je crois que c'était juste un appareil. Non, je te filme. Ah, ça prend. C'est encore moi. Merci pour tout. Et à bas l'État, parce que vous êtes les meilleurs. L'État n'est pas capable de le faire une journée. Il doit être pareil. Coluche, il a fait combien? Presque 25. Moi, je fais le travail, il y a le plus de photos. Mais vous et Coluche, vous avez 25 ans de travail. Je vois un peu l'après-midi. L'État n'est même pas capable une journée. Il doit être à l'intenu maintenant. D'accord.